gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Et on commence le vlog avec mes deux frères parce qu'aujourd'hui, on va aller acheter des citrouilles. On est actuellement le 26 octobre et Halloween, c'est le 31. Du coup, on va aller acheter des petites citrouilles et après, on va les cutter, les couper. On y va. J'ai pas le Covid. Hein ? Mais je meurs de chaud là, attendez, c'est horrible. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a... Ah, c'est bien parce que c'est pas trop grand. Regarde là, quand tu regardes là, tu vois que c'est un ninja. Regarde Gab, regarde la caméra. Il a comme ça. Bon, vas-y, inutile. Bon, allez, go, grand-mère. Let's go. Bah, vu que t'as pas de masque, je te laisse parler et expliquer. Non. Ah, ok, t'as honte là? T'as honte que je filme? Vous avez honte que je filme? Gabriel a honte. Il a honte, il a peur. On a trouvé le stand citrouille. Bah, en fait, on l'a pas trouvé. C'est bon, eux qui nous ont trouvé. Du coup, on va choisir chacun une citrouille. Mais elle est moisie, tu viens de gâcher mon plan là. Bah, moi je vais prendre une petite, je pense. Elle, elle est. Hein? Et là, moi elle est pas très. Moi je. Énorme. Ok, bah c'est parti. On a nos citrouilles. Mais attends, c'est quoi le prix en fait? Il n'y avait pas de prix. Bah, va voir le prix. Bon, on s'en fout, mais c'est juste pour savoir. Ça se trouve, c'est 10 000 euros la citrouille. La pièce. 5 euros la pièce. Ça fait 15 euros. Ouais. Bah, 5 fois 3, ça fait combien, Gab? C'est pas du tout. Ça fait 15 euros. Non. C'est bien. Tu es trop fort. Attendez, je vais faire une transition. On va se mettre là, tiens. On va se cacher un peu. Et on va faire le truc où on saute et après on arrivera à la maison. On est rentré chez nous. On a nos citrouilles. Mais c'est du XXXTentacion. Moi j'aime bien. Mais Gab. Mais moi je savais pas qu'il était mort. Quoi, il est mort? Ouais. Comment? Un coup de fusil. Bah, il s'est fait tuer. Par qui? Un gars. Parce qu'il y a des gens méchants. Parce qu'il était dans des gangs et tout. Il prenait de la drogue et tout. Du coup, faut jamais que t'en prennes. Hein, parce que tu peux mourir si t'en prends. Tu comprends le titre? T'arrives à faire traduction? Ah, Jean, c'est facile. The Remedy. C'est un mot transparent. Un remède. Le remède pour. Broken, tu sais pas ce que ça veut dire? Non. T'as fait les verbes irréguliers? Je sais lire. Broken là. Je sais. Quoi? Drogue. Non. Cassé. Mais les gens, t'apprends tes cours à l'envers ou quoi? Et hurt, c'est ce que ça veut dire au moins? La vie. Non. Hurt. Non. Hurt. Un cœur hurt. La première étape, ça va être de vider la citrouille. Ouais. Bah, au pire, on prend nos mains, non? Non, moi je prends une grosse cuillère. Ah, ok. C'est dégueu. Gabriel, selon toi, t'es petit, donc tu vas pas couper. Donc je vais te la couper en premier. Papa, c'est une bonne idée ou pas des couteaux en céramique? On va pas casser la céramique. Non, mais les gens, il va se faire mal. Tu peux m'aider? Ouais, pas le faire, ça évitera les dégâts. Ça sent peut-être pas mieux les citrouilles que vous avez achetées. Tu es quelqu'un? Je vais te tuer. Une scie sauteuse. Allez, arrête-toi. Je t'ai fait un rond, papa. C'est un truc comme ça. Un peu plus gros, je pense. François. Essaye, il y a un couteau, je pense que ça marche. Des gros mots dans les citrouilles, ça sort en beau, en joli mot parce que c'est un truc Halloween et ça transforme les trucs mauvais en beau. Rien de dire un gros mot dedans. Fais-le toi. Chat. J'ai dit chiant. Non. Si, je te jure que si. Bon, allez, on va creuser notre truc. Par contre, c'est un bol pour mettre. Tu es aveugle ou quoi? Si tu manges un grain, t'as une citrouille qui pousse dans ton ventre. Tu vas aller très vite à cette. Moi, je dis, faut mettre les mains. Moi, je vais. Bizarre. On dirait la mer un peu. Dans l'œil. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Ça tombe. Ah. Ça y est, c'est un légume. C'est un fruit. Hein. Oh,
Je pense que Gabriel, tu peux dessiner Claude de Koh-Lanta. Eh, hey, mais toi, remonte ton gilet. Ça va aller sur ton gilet. Mais Jean, il n'y a pas à manger. Bah, non. Tu te rends compte, c'est quand même n'importe quoi. T'en penses quoi, toi, du travail de Jean? Un. Tu sais qu'il y a un youtubeur, il jouait à un truc. Il dit je stresse, et quand on stresse, on mange des saucissons. Oui, d'accord, mais je t'ai posé une question, mais bon, tu m'as. Elle dit quoi? Je dis, tu penses quoi du travail de Jean? Voici ma citrouille, toute belle, toute propre, toute vide, toute lisse, magnifique. Prenez exemple sur cette belle citrouille. Vu que Jean est une chochotte, il n'aime pas mettre ses mains dedans et que nous on est un peu des braves, bah, je vais faire moi-même. Oh, ça glisse, ça m'énerve. Voilà, on a vidé nos citrouilles et maintenant on va pouvoir creuser. Non, dessiner. Dans un premier temps, on va dessiner. Ok, bah c'est parti. Je sais pas, je vais regarder des idées de citrouilles. Voilà. Ah, c'est très beau ça. Moi, je vais faire un truc comme ça. T'as fini toi? Je vais tenter. Est-ce qu'on peut effacer la marque de l'autre côté? Sinon, faut prendre du dissolvant. Il a raté son dessin au marqueur sur sa citrouille. Voilà. Quoi? Moi je pense que je peux réussir, non? Enfin perso, je dessinais, je me mets à découper. C'est très épais. Bon Gabriel, si c'est moche, c'est bon, tu vas pas non plus faire 3000 dessins. Maman, tu peux me dire si c'est beau ou c'est moche? Bah enfin, ça va rattraper. Non. T'as un peu raté ta bouche. Voici la bouche de Gab. C'est beau. Bon, à la. Mais excusez-moi, vous êtes en crise d'ado ou quoi? Mais j'ai trouvé une bouche, mais maman. Qui te prends-tu? Mais maman, laisse-moi. De toute façon, je vais t'aider à découper. Non. C'est exactement la même bouche que moi. Non, c'est mon idée, Zoé. Il boude, il a raté. Mais Gab, t'es au courant que tu découpes, donc dans tous les cas, tu vois pas le dessin, hein. T'inquiète, hein, moi aussi c'est hideux, mais on voit pas le dessin. Nous sommes pour le moment deux, car Gabriel a quitté la partie, car il n'arrive pas à dessiner. Ça part pas, c'est que ça m'a loupé, hein. C'est très prometteur. Il revient pas? Oh non, mais il est nul. Mais Gab, Gabriel, j'ai acheté 5€ ta citrouille, donc tu viens. Tu arrives toi? Je suis actuellement en train d'effacer mon dessin que j'ai raté. Ah ouais. Ah, tu m'as trop manqué. C'est d'abord les deux. Just another sunny day in Southern California. It's where the people came to play. Voilà, voici ma petite citrouille, je trouve qu'elle est pas mal réussie. T'es fière genre de ce que t'as fait? Ouais. Non, en vrai, du coup, voici ma petite citrouille comme ça, que j'ai fait moi-même de A à Z. La citrouille de Gabriel, que papa a fait. Ouais, on l'a fait ensemble. Non. Je vais t'ouvrir le carton. Moi, ça se voit pas trop de loin, mais genre... Et Jean, la sienne. Voilà, donc les deux... Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. J'allais le dire. 1, 2 et 3. Si vous préférez la mienne, vous mettez le chiffre 1. La mais deux, sinon, ils peuvent dire citrouille de Gab. Non, sinon, on met dans les commentaires si on met le chiffre 9 pour moi, toi le chiffre. Pourquoi 9? Je sais pas. Bah, sinon, mais citrouille de Zoé, citrouille de Gab, de Jean. Ouais. C'est peut-être plus simple. Ouais. Faut mettre une bougie dedans, non? Non, tu vois, tu mets un barbecue avec un steak. Ah oui, une bougie.
D'accord. Salut. Merci. Je vous fais un gros bisou. Je dis à la prochaine fois de nouvelle vidéo. Bye. Salut. Oh, allez. Gênant, my god. Il est où, Chichine?